Salut les VR Players, c'est Sei, j'espère que vous allez bien, et aujourd'hui on va parler de Pixel Rift 1995, qui vient à nouveau souffler sa nostalgie sur PSVR. Développé par le studio brésilien Arvor et porté par Ana Ribeiro, cette suite de Pixel Rift 1989 nous replonge dans la fameuse époque de la guerre des consoles, entre Nintendo et Sega, où on perdait notre temps à savoir laquelle était la plus puissante. On était vraiment bêtes à cette époque. Proposé au prix de 19,99€ pour le voyage au temps des 16 et 32 bits, est-il aussi inspiré que son grand frère? C'est ce qu'on va voir ici. Nous suivons à nouveau les aventures de Dot, la petite héroïne que nous avions aidée en 1989, sauf que maintenant nous pouvons profiter de la surpuissance des 16 bits et de leurs 256 couleurs complètement incroyables. Le vil Siblin est de retour pour mettre le dawa, mais Dot sera aidé par David, jeune hardcore gamer qui ferait mieux de sortir un peu pour se faire des amis, jouer au foot, taguer des murs sur son skateboard, au lieu de jouer à ces jeux vidéo qui rendent débiles et violents. Enfin ça c'est la télé qui le dit. Hein. Pixel Rift 1995 est donc bien la suite directe de son prédécesseur et propose de jouer à des jeux vidéo dans un jeu vidéo. Il faudra rester concentré sur notre partie sans se faire avoir par les éléments extérieurs. Chaque chapitre proposera un gameplay différent comme la possibilité de tirer sur des éléments du décor pour faire diversion, switcher entre deux consoles pour mélanger des jeux, ou éviter de réveiller maman lors de nos parties nocturnes. Chaque fin de chapitre propose un boss où la réalité et le virtuel se mélangent. Pixel Rift 1995 est bourré d'idées de gameplay à tous les étages et déborde d'inventivité, et on ne s'ennuie pas une seule seconde pendant les 5 heures de jeu que le titre propose. Donc ouais, la durée de vie paraît d'autant plus faiblarde qu'on en voudrait forcément beaucoup plus. Le jeu est intégralement en anglais et il faudra pas mal de concentration pour écouter ce qui se dit autour de vous et aussi lire les notes qu'il y a dans les jeux. C'est vraiment dommage car on peut manquer un paquet de références vraiment fun. Le jeu se joue à la manette ou au move, mais jouer au move à des jeux de plateforme, c'est pas très adapté. Mais bon, comme la DualShock 4 a un gyroscope, ça fonctionne très très bien pour interagir avec les éléments extérieurs. Ça répond au doigt et à l'œil du tout bon. Graphiquement, le jeu est plutôt joli, pas un pet d'aliasing de fou. Et le jeu a clairement fait un bond en avant de ce côté-là. Les personnages qui nous entourent sont plus cartoon et mignons, et les décors sont assez beaux pour nous immerger complètement. Quant au jeu 16 et 32 bits, les graphismes, les musiques, les sons, c'est du bonheur. On replonge totalement en enfance. Le gros point fort de Pixel Rift 1995, c'est de vous replonger en enfance. Alors oui, forcément, ça va pas parler aux plus jeunes, mais ça a très bien marché sur moi. Le jeu a fait ressurgir plein de souvenirs de mon enfance, jouer dans le salon de mes parents, sur les consoles de démo dans les magasins, ou la nuit sur ma petite télé. Et grâce à sa réalisation impeccable et son design très inspiré, j'ai passé un très très bon moment. Mais j'aurais préféré que ça dure un peu plus longtemps. D'autant qu'une fois fini, la rejouabilité est à ses limites. J'ai adoré aussi la tonne de références aux jeux de cette époque. Je vais pas les citer ici, car l'intérêt c'est quand même la surprise. Mais je pense que sur cette vidéo, vous en aurez quand même repéré quelques-unes. Et les références, bien sûr, ça s'arrête pas que dans les jeux. Hein. Les dialogues extérieurs fourmillent de petits clins d'œil. Par exemple, un gros débat digne des cours de récré que tous les 30-40 ans ont eu. Mais bon, je vais pas spoiler ici, j'en parlerai plus pour notre prochain podcast. J'aurais bien aimé par contre que les jeux 16 et 32 bits soient un peu plus ardus, parce que là le level design étant assez simple, et ça passe plus pour du gimmick de l'époque que pour du gameplay à proprement parler. En gros, c'est pas assez fouillé, malheureusement. Vous l'aurez compris, Pixel Rift 1995, c'est comme Pixel Rift 1989, mais en mieux, avec plus d'idées, plus de références, plus beau, plus inspiré, et un petit peu plus long quand même. C'est l'exemple même de la très bonne suite. Par contre, si vous n'avez pas accroché au premier, celui-là vous fera pas changer d'avis. Mais bon, c'est un gros bol de nostalgie qui fonctionne à 100% si vous avez vécu cette époque, ou si vous êtes tout simplement curieux. Enfin, on va quand même pas bouder son plaisir, ce genre de jeu ça fait vraiment du bien en PSVR, et ça apporte une toute autre dimension au gameplay. Et moi j'aime beaucoup. Mais bon, toutes les bonnes choses ont une fin, retour en 2020, bon jeu, et à bientôt sur VR4Player. Ciao!